Un frère m'a appris qu'à Réguinée, ils ont choisi un nouveau pasteur. Il m'a dit, bon, ils se sont rassemblés. Le comité était, l'ensemble du comité était unanime. Ils étaient unanimes. Ce sont pour proposer une personne. Ils ont présenté ça à l'église pour décider. Et l'église aussi, dans sa grande majorité, ils ont accepté, ils ont voté pour. Nous ne pouvons que remercier Dieu pour tout cela. Tant que les gens, ils peuvent se mettre ensemble. Le comité ensemble. L'église ensemble. Nous ne pouvons que accepter ça parce que ça les principes. Et prier pour eux. Parce que quelque chose qui se fait avec l'unité, dans l'unité, le comité, dans l'unité, l'église dans son ensemble, ils disent, nous sommes d'accord, nous ne pouvons que prier pour eux. Ils ont cherché la paix. Ils ont cherché l'amour. Ils ont cherché l'unité. Alors Dieu pourra les aider dans d'autres choses qu'ils doivent faire. Dieu n'aidera pas les gens quand une grande partie ici, une autre partie là-bas, une autre partie là-bas, il n'y aura rien. Aujourd'hui, j'ai vu, je vous en ai parlé il y a quelques temps. On voit tous les temps les églises du message. Dès que leur pasteur s'en va, c'est drôle. On va trouver un groupe là-bas, un groupe là-bas, l'église dans quatre morceaux. Alors, c'était quoi? Alors les gens s'étaient réunis au nom d'un individu. Ce n'était pas au nom des principes. Ce n'était pas parce qu'ils avaient l'amour pour leur église, l'amour pour leur héritage. C'était des ils étaient là pour des individus. Il regardait les gens. Et dès que la tête s'en va, l'on regarde à cette tête, l'on regarde à la tête, Bon, comme moi je ne suis pas là, C'est ça les églises du message. Et j'entends tout ça tous les temps, partout. C'est regrettable. Je me demande si les gens comprennent le message. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le prophète dit, quand les gens se mettent ensemble, sont unis, ils font quelque chose, Dieu va les aider. S'il y a des erreurs, c'est dans cette unité-là, c'est dans cette paix-là que Dieu va les aider. Mais Dieu ne va pas vous aider. Chacun a son idée, chacun il a sa pensée, chacun il a sa conception, et vous allez demander à Dieu. La Bible dit, et Frère Branham parle encore dans l'harmonie de l'unité, il dit, au temps de Babel, la Bible dit, les gens étaient unis. Ils avaient un même langage.
Ils étaient au même endroit. Et ils ont dit, nous allons faire ceci. Et la Bible dit, Dieu voyant qu'ils étaient un, et que rien ne peut les empêcher de faire quelque chose. Et frère Branham dit, quand les gens sont unis, quand ils ont la même pensée, ils vont prospérer dans ce qu'ils font. Et il dit aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec l'église. Frère Branham dit la preuve pour les pentecôtistes que c'était fini, c'était des divisions. Et ça là qui bokaboni kati na bango. Trop de divisions. Un petit problème, ils ne peuvent pas s'asseoir. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'amour pour chercher la paix? Chacun, allons ici, allons ici, allons ici. Frère Branham dit, vous les pentecôtistes, vous êtes divisés en 1000 morceaux. Lisez les messages. Hein. J'en ai plein de citations. Pourquoi les pentecôtistes ont failli? Frère Branham dit, il n'y a plus d'amour au milieu de vous. Il n'y a plus de paix au milieu de vous. Vous cherchez les dons, mais vous n'avez pas les donateurs. Vous n'avez pas l'amour. Vous n'avez pas la communion. Il n'y a que l'un sur un cheval blanc, l'autre sur un cheval noir. Et toutes sortes de choses. Quand les fondateurs s'en vont, quand Dioka va mourir, il va mourir aussi. À quoi qui peut okufa? Qu'est-ce qui va arriver? Et le koni ne ko salama. Motaleli. Le mon frère, demain nous irons où? Allez, toquez dans l'internet. Allons un peu sur l'internet. Baleli, batona batobake na ngambo na bango. Et moi je vais vous regarder de l'autre côté. Bonga na ngambo mususu na otala bino. Yango musala na sali pana bambola nyoso. C'est le travail que j'ai fait durant toutes ces années. Alors, l'amour, ngaboy bolingo, c'est la chose la plus précieuse. Yango nde eloko eleki na motuya. Rechercher la paix, la communion et l'amour, c'est plus grand que la connaissance. Vous me suivez? Et la Bible dit, vous pouvez avoir toute la connaissance de tous les mystères de Dieu. Mais si vous n'avez pas l'amour, c'est zéro. Vous avez la connaissance de tous les mystères. Ça. Oyo. Mais dans le cœur là, kasi na motema, pas d'amour. Bolingo ezali te. Wana bokozwa eloko te. Le diable, quand il est venu vers Jésus, tango Satan a ekepa ya